Bonjour à tous, c'est MiniRaptor SS103 et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft où aujourd'hui les gars je vais vous présenter mon incroyable monde de survie hein. Donc ça fait extrêmement longtemps que nous n'avons pas joué à Minecraft et aussi les gars je suis désolé pour le manque de vidéos, voilà, donc j'étais pas là, il y a des problèmes de connexion et tout, ça m'a fait grave chier, donc je suis vraiment désolé les gars hein. Je ferai un questionnaire sur la chaîne dans de prochaines vidéos. Alors écoutez les gars, je vais tout de suite vous montrer mon monde survie. Attendez, déjà je vous montre mon nouveau skin. Alors je suis en créatif, c'était si vous voulez, c'était parce que je vais vous montrer le monde survie, mais pas en survie, parce que bon, sinon ça va mettre un petit peu de temps. Alors voilà mon nouveau skin, hein, voilà les gars, donc un petit héros brine habillé en gentleman. Alors bah écoutez les gars, voilà le monde survie. Donc vous pouvez voir si vous avez vu dans les précédentes vidéos de ce monde-là qu'il a extrêmement bien avancé. Hein, alors on va commencer déjà, bon ici pour le petit œuf d'Under Dragon que j'ai posé là. Un petit quai pour que je puisse pêcher. Hein. Ici, nous avons le petit port avec des bateaux qui se sont barrés. Ici, un petit coin pour les axolotes quand j'en trouverai. Ici, c'est, si vous voulez, une espèce de ferme à villageois. Où derrière, quand il y a des zombies, je les infecte. Enfin, comme ça, le zombie les infecte. Et puis, je les soigne avec une pomme... avec une pomme dorée et une potion de faiblesse et leurs prix auront baissé, voilà. Donc la petite entrée. Ah oui, alors ici c'est mes shulkers, c'est parce que si vous voulez, je suis en train de construire une salle des coffres que je vais tout de suite vous montrer. Voilà, donc vous pouvez voir qu'elle est en construction. Hein. Alors bon voilà, là c'est tout mon diamant, hein, mon petit diamant. L'or et le fer, hein. Voilà, donc ce qui est plus un petit, je pense, qui est le plus important, tous mes totems. Enfin, bref, voilà, donc il y a quand même pas mal de bouffe. Bon, là, il n'y en a pas trop non plus, mais bon, voilà. Et ici, voilà, donc pareil, je vais faire des coffres. Ici, bah, ici, il n'y a rien de spécial, hein. Le cuivre, j'en ai presque plus. Donc voilà, ça, c'est tout pour ici. Ensuite, là, les grottes, j'ai tout ça. Donc là, c'est en construction, hein, vous pouvez voir. Là aussi. Là, j'ai ça. Bon, du bois, j'en ai plus beaucoup. Hein, parce que j'ai tout utilisé, voilà. Tous mes trucs de monstres. Tous les trucs dans le nether. Hein, voilà. Bon, ici, il y a... Non, ici, il n'y a plus rien. Là, les armures non plus, je crois qu'il n'y a plus rien. Si, si, encore. Là. 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 Et là. Là, bon, mon aménagement, coffre de l'endroit. Et voilà. Maintenant, bon, mon petit chien qui s'appelle bien sûr Rex. Ici, il y a mon chat. Hein. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Attendez, je vais mettre le jour juste. Parce que faire la visite de nuit, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, également, vous pouvez voir sur les côtés des murailles en obsidienne. Hein, bon, jusque-là, tout va bien. Donc, voilà. Donc, le petit chat que je lui ai fait un petit coin. Ici, bon, c'est mes champs de cultivation. Hein. Ici, j'ai dû faire des réparations. Parce qu'il y avait des creepers et tout qui ont tout cassé. Après, qu'avons-nous d'autre? Nous avons une petite salle avec des pupitres. Bon, jusque-là, tout va. Rien de spécial. Hein. Ah, c'est quoi ça? Je sais même plus. Ah oui, ici je vais faire. Voilà, là vous pouvez voir que je fais pousser du lierre. Hein. Je vais faire pousser d'autres choses aussi. Ici, bon, il n'y a rien. Voilà. Ici, vous vous souvenez, c'était le petit plongeoir pour les élytras. Et bah, ici, voilà, j'ai mis des pousses pour faire pousser les arbres. Ici, une autre salle où je sais pas ce que je vais faire encore. Et tout ça en survie, les gars. Sans vous mentir, tout ça en survie. Ensuite ici, bon voilà, des enclumes, enfin une enclume plutôt, rien de d'anormal, là aussi, enfin en fait il n'y a rien d'anormal dans ce monde, c'est tout. Les réserves de foin, ici c'est les petites réserves de minerais, là c'est un balcon. Ici il y a d'autres réserves de minerais, hein, voilà. Après, ben voilà, après là on n'a plus rien. Alors,
Donc ça déjà c'est fait. Il y a des zombies, je les tuerai plus tard. Ma petite ferme à blé, bon, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas en marche. Mais vous pouvez voir que elle marche quand même, voilà. Après je vais vous présenter la base. Les cachots ici. Quand je capture genre des pillageois, des pillards, je les mets là-dedans, tout ça. Quand j'ai besoin d'XP, je les tue. Ici mes petits trucs pour les animaux. Alors ils se sont tous barrés. Enfin non, ils se sont pas tous barrés si vous voulez, mais je sais pas où ils sont, ils sont cachés et tout. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben là-bas le village principal. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer ma mine après. Voilà, donc le village où je vais souvent pour échanger avec des villageois. Voilà, donc parce que vous voyez qu'ils ont quelques petites choses intéressantes. Alors, après la mine. La mine. Alors, ah oui, je vais vous montrer. Ah ben, je vais vous montrer après le Nether. Alors, ma mine, donc il faut qu'on descende. Vous inquiétez pas, on retrouvera la lumière juste après. Voilà. Alors, non, ça c'est pas par là. Voilà, donc ici ça descend. Hein, attendez. Donc là ça descend. Ici on a la mer. Je sais pas si vous. Attendez. On va juste se prendre une petite potion night vision. Une courte. Voilà, 3 minutes. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un tunnel qui passe en dessous de l'océan. Et qui va très bas dans les profondeurs. Je vais vous montrer où ça mène. Alors c'est mon chantier de mine. Hein. Alors je l'ai pas non plus énorme. Il est pas non plus énormément grand. Mais vous voyez que c'est là où je mine. Ici c'est normalement un petit minecart avec un coffre. Mais je ne sais pas où il est passé. Et si vous voulez, regardez, là-bas vous avez des rails. Et regardez, on va aller le pousser. Et vous verrez où est-ce qu'il atterrit. Allez, on y retourne. Hop, 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 hop. On monte en volant. Voilà. On est allé plus vite que le minecart, là, je pense. Voilà. Et vous verrez que ça surprend là où il arrive, car en fait, on se rend compte que c'est extrêmement efficace. Ah, je crois qu'on est arrivé avant. Ouais, je crois bien. Attendez. Oui, on a dû arriver avant. Ouais, on a sûrement dû arriver avant. Ou alors il a rencontré l'autre minecart en chemin, je sais pas quoi. Enfin bref, vous pouvez voir. Donc il va arriver, je pense, après. Vous pouvez voir que c'est un grand rail. Voilà, qui mène ici à la salle des coffres pour que je n'ai pas à me transporter tous mes minerais pendant le chemin. Et maintenant, place au Nether. Alors donc le petit truc d'accueil pour le Nether, hein, donc vous voyez.